Hey, on check-tu le vidéo à Jiggy Rap? On va voir ce qu'il capone. Ah! Pas encore son calice de civique rouge! Ouais, même encore mon câble de civique rouge. Fait que dans le fond, aujourd'hui, tu sais, l'autre fois, j'avais acheté des bas joints, puis là, ça me tentait plus de les faire parce qu'il fallait que je défasse les cardans. Puis là, en tout cas, avant de partir, l'autre fois, je me suis dit, tu sais, tant qu'à avoir les bas joints, tes rods, puis tout d'en face, j'étais aussi bien checké, voir, puis tout changer en même temps, tu sais. Puis, ben dans le fond, j'ai comme fait une petite inspection, hein, je vais vous montrer ça. Viens voir ici. Viens voir ici. Viens voir ici. Viens voir ici. Dans le fond, l'autre fois, quand j'ai soudé mon exhaust, j'ai fait mon changement d'huile, j'ai remarqué aussi que les calipers, ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Puis là, ben, je me dis, ah, ok, ça coule sûrement de là, tu sais, je le saurai pour la prochaine fois, mais là, justement, aujourd'hui, la lumière d'huile, ça a commencé à allumer, fait que. Bon, maintenant, là, je t'ai arrêté. Ok, là, ça va bien, la petite lumière de bric-à-brac ici, t'es éteinte. Puis là, quand je pars en 1, je fais 1, 2, man, puis elle allume, genre. Genre, juste le temps d'en 1, elle allume. Dans le fond, ça m'avait fait ça une fois, genre, la lumière avait allumé, j'étais comment, c'est bizarre ça, j'ai checké la brique. J'en ai rajouté parce qu'elle était basse. Puis là, j'ai toffé de même pendant 2 mois. Puis là, 2 mois après, oups, ça avait refait la même affaire. Puis là, ça fait 1 mois ou 2 déjà de ça. Fait que c'est ça, ça. C'est comme si je manque d'huile à break, mais genre vraiment pas souvent. Ben pas souvent, genre. Il y en coule, mais vraiment pas vite. Fait que je vais régler ça en même temps, j'imagine. On va faire l'autre bord. Fait que c'est de toute la patente, man. Les disques, les pads, les galipers, 2 tie rods, une table en haut à droite. On va l'essayer avec ça, pour la graffiner un peu, pour pouvoir le clearer ou le peinturer, mais dans le fond, je pensais juste envoyer un peu de clear dessus. Puis, c'est ça, dans le fond, la dernière fois, là, je les avais pas préparés, j'ai essayé de shooter du jaune dessus. C'était une catastrophe sur mon Civic Eco. Fait que, ben, c'est mon Civic Turbo, en fait. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais checker, voir qu'est-ce que ça donne. Ça peut pas être pire que. Peu que rien. Parce que si je les laisse dans même, dans genre 1 mois, ils vont avoir l'air dégueulasse. Je sais pas que ça me dérange tant que ça, là, considérant que c'est le Civic rouge, mais pourquoi pas. Je veux dire, tant qu'à l'avoir dans les mains et y avoir pensé, je vais le faire tout de suite. Dans le fond, la vieille table, pour la défaire, là, tu sais, était juste attachée comme. Ben, elle était attachée par les 2 bottes en arrière, mais elle était attachée par là. Puis la botte était défaite, t'sais, la note du bas joint était défaite. Puis ça sortait pas, ça voulait rien savoir de sortir. Fait que là, dans le fond, j'ai frappé avec une grosse masse, là, pour vrai, là, de toutes mes forces. Là, mais genre, de toutes mes forces, là. Genre, puis à un moment donné, j'étais comme, ça se peut pas, là, je vais casser de quoi. Mais non. Genre, quand tu dis, ça se peut pas, je vais casser de quoi, c'est parce que tu frappes pas assez fort. Faut que tu frappes plus fort, puis plus longtemps, puis c'est de même que ça se défait. T'sais, quand le bas joint est collé, là, pour vrai, c'est ça. Je me rappelle m'être déjà dit, oh, non, ça marche pas, je vais tout péter. Ben ça marche pas, t'sais, si je continue à frapper ici, ça va briser de quoi? Ben non, ça brise jamais rien. La vraie façon de faire, c'est juste de frapper, man. Puis si ça marche pas, c'est parce que tu frappes pas assez fort. Puis si tu frappes assez fort, c'est parce que t'as pas frappé assez souvent. Fait que c'est juste ça qui est ça. Fait que dans le fond, la table, premièrement, t'sais, si elle se rétrovissait là, dans les coins là, elle bougerait plus de même. Puis l'autre fois, j'ai vu que les bushings, faut qu'ils soient serrés en position sous charge, on peut dire, là. Fait que, tu sais, mettons, même qu'on drop le char à terre, là, la table. Tu sais, c'est parce que là, si on sort de même, pis que là, on drop le char à terre, ça va se ramasser de même, pis les bushings vont tout le temps forcer pour essayer de redescendre. Tandis que, si, tu sais, mettons, une fois installé, pis tout, on drop le char à terre, oups, ils vont venir ici, on le sort de même, man, pis en tout cas, ça a l'air, ça de même, ça marche, ok? Fait que, je peux pas vous expliquer exactement pourquoi, mais ça de même, ça marche. Pis, là, on essaie d'aligner ça ici, là. L'angle est vraiment merdique. Fait que, ce que je vais faire, on va lever ça à peu près jusqu'ici, puis on va jacker la table d'en bas, puis ça devrait y aller. Bon, fait que dans le fond, une fois bien jacké, ça rentre super bien, et voilà, pas plus compliqué que ça. Fait que là, c'est ça. C'est juste le fait de mettre un jack en dessous. Puis on va la serrer comme il faut ici, puis on enlèvera le jack après. Tout ce qu'on voit ici, là, la table changer, toutes les breaks, toute ma blonde qui a touché à ça. Moi, pour vrai, là. J'ai rien fait. J'ai juste jacké en dessous justement pour pouvoir rentrer le bon joint. La table, genre dans le bon angle. Parce que depuis le début, moi, je suis en train de préparer mes galipers. On a l'air mieux sortir que la dernière fois. La dernière fois, là, c'est parce que j'ai fait mon BS. Puis j'ai fait. Pshhh, sans les préparer.
Fait que ça sert à rien, dans le fond. Fait que là, je l'ai tout lavé au lavage final. Ça valait vraiment la peine parce qu'il était vraiment sale. T'sais, il était neuf, mais il était sale. C'est de même, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ça a tout été fait. Fait que ça l'aide la peinture à mieux coller. Puis au lieu de mettre de la peinture directement, vu que c'est du métal nu, j'ai mis du primer. Fait que là, ça donne une deuxième meilleure chance là, de faire une meilleure job que la dernière fois. Fait que c'est ça. Là, on va voir. Oh, j'ai oublié de faire les dessous. Mais c'est ça, là. Je pense que ça a l'air de mieux sortir pas mal que la dernière fois, mais là, reste à voir si ça va durer. Quand t'as pas le temps d'attendre, dis-le-moi, tu fais sécher tes pièces. Dans le fond, le côté gauche il est fait. Ça, c'est qu'est-ce qui restait de mes pads. Mes pads étaient neufs! D'après moi, mes plaquettes sont pas usées parce que l'huile, au lieu de pousser sur le piston, elle faisait juste sortir. Fait que c'est mon hypothèse. Anyway, ça vaut pas une fortune, là, des plaquettes neuves, là. Fait que, tu sais, je les avais déjà. Hors des questions que je réinstalle ça ici. Les mini neufs. Excusez, ma blonde a mis les neufs. Ce côté-là, ce qu'on a fait, on a installé comme le galépeur sur la hose, toute la patente, puis après ça, on l'a installé ici. C'était pas hot tant que ça, parce que premièrement, ça pissait partout. Ça pissait partout sur le galépeur, partout sur nos mains, partout sur toute la patente. Puis après ça, on était pas rien avec un galépeur au bout d'une hose, man, pour essayer de l'aligner. C'était vraiment la pire affaire, OK? Tandis que l'autre côté, là-bas, ce qu'on a fait, qui était beaucoup plus intelligent, on a installé la braquette du galépeur, le galépeur, puis dans le fond, moi, j'avais, tu sais, l'ancien galépeur, là, il était juste tirapé dans le choc, ici, c'est pour pas qu'il parte au bout de la hose. Puis en fait, ce qu'on a fait, c'est que, tu sais, on s'est mis à deux, genre, tu sais, il y en a un qui tenait le galépeur, l'autre qui a défait la hose, il a revu sa hose direct là. Pour vrai, ça a presque pas beurré, là. Je vais aller montrer l'autre bord, là. Ça, ben, en fait, ça, je dis presque pas beurré. Ça a rien beurré, carrément, rien beurré. On peut voir que mon galépeur est encore super beau, intact. Toute la patente. Fait que, c'est ça. Ça doit être la vraie façon de faire, ça doit être ça. Une fois installé, tu fais juste. Ploup, ploup. Beaucoup mieux. Je vais juste laisser ça de même. Puis je reviens au garage, une autre fois. Hey, jamais là. Fait que là, ce que je disais l'autre fois, c'est on frappe. Idéalement, on frappe pas sur le disque. Puis si ça marche pas, ben tu frappes pas assez fort. Ah, et voilà. Période 9. Il y a zéro lousse dedans, en fait, là. Faut que tu forces. Bon, ok, peut-être pas si forçante que ça, mais quand même. En fait, là, ça, c'est ce que je m'attendais l'autre fois sur mon bon joint, sur ma table. Je me disais, tu sais, c'est censé bouger, là, tu sais, c'est censé être bougeable. Finalement, là, sur ma table, là, oublie ça, c'était, ça se faisait pas. Là, elle est sale. Je sais pas si vous avez compris qu'on n'est plus la même journée. Tu sais, je m'en fous de mettre des bons joints dans l'économique, parce que, nous, ça change bien. Puis, tu sais, tu le changes, merci, bonsoir. La taille rod, quand tu changes, ben, il te faut un alignement, c'est 80 ou 100 piastres, là, peu importe. Fait que, tu sais, si à chaque année, ta taille rod est à changer, même si c'est garanti à vie, elle est gratuite pis tout, mais faut quand même que tu te refasses un alignement. Fait que c'est pour ça que. Ben c'est pour ça que j'ai pris les premières qualités. J'avais pas le goût de changer ça plus tard. Puis je pense pas me débarrasser du char nécessairement bientôt. Parce que pourquoi se débarrasser d'un char? Aussi bien réparer les petits problèmes d'un char plutôt que de switcher à un autre char puis avoir d'autres problèmes puis bouger d'être. Anyway, peu importe le char que tu vas avoir, un jour tu vas avoir des problèmes. Fait que tu peux pas juste changer de char tout le temps. Faut que tu les répares, t'sais. Fait que c'est ça. Puis de toute façon, je les aime bien, moi, les chars des années 90. Dans le fond, j'ai changé la note. La nouvelle note est un peu plus épaisse.
Fait que tu fais qu'elle soit plus épaisse, il faut qu'elle soit un petit peu plus vissée. Puis la taille rod est un peu plus longue, fait qu'il faut que ce soit un peu plus vissé. Bref. Fait que là, c'est ça. Fait que je la vissais. En tout cas, l'autre bord, ça allait mal un peu. J'ai même pas réussi à la visser au complet. Là, celle-là, j'ai réussi à la visser au complet. Puis dans le fond, tu sais, là, on peut voir, tu sais, moi, techniquement, j'ai pas bougé mon knuckle depuis que j'ai enlevé l'ancienne. Fait que là, techniquement, je suis trop court. Fait que là, je vois. Oh. En tout cas, il va falloir que je la décolle. On pète à bout de ça aussi. Ça y est, ça y est, ça y est. 1, 2, 3. Et voilà, aussi simple que ça. Moi, là, je suis le genre de gars qui a toujours eu peur de faire des tie rods parce que, je sais pas, dans ma tête, ça se défaisait pas. Finalement, c'était super simple. Super simple. Là, juste celle-là qui m'a fait peur un peu là, quand j'ai chauffé la première fois, ça se défaisait pas. Finalement, je me suis dit, bah, tu sais, j'ai chauffé 2 minutes. On va rechauffer 3 minutes. Finalement, en plus, c'est ça. Fait que dans le fond, elle était encore chaude, puis j'ai réchauffé 3 minutes, puis ça s'est fait de même. Fait que je suis bien content. Je suis pas mal sûr que j'aurais pas réussi avec ma torche bleue, mais avec la petite torche jaune de même, là. On commence à jaser. Lui, il est à peu près aligné. L'autre bord, j'ai pas réussi à rentrer la note assez pour pouvoir rentrer en tie rod assez. Fait que je suis pas mal sûr que ma roue va être un peu trop avec du toe out qu'il appelle. Mais bon, anyway, je vais aller le faire aligner. De toute façon, mes tailleurs sont déjà finis. Dans le fond, live là, on est jeudi. La raison pourquoi j'ai pas eu plein de vidéos dans les derniers temps, ben dans les derniers temps, j'ai été en feu pendant 2 semaines. Puis là, en tout cas, je me suis calmé cette semaine parce que, ben c'est ça, tu sais, dimanche, j'ai fait une vidéo. Ben, dimanche, j'ai filmé quelque chose. Lundi, j'ai rien fait. Mardi, j'ai filmé quelque chose. Mercredi, j'ai rien fait. Jeudi, j'ai filmé quelque chose. Fait que là, vendredi, il faut que j'édite. Puis samedi, ça va sortir. Fait que, ouais, en tout cas, bref, c'est pas mal ça qui est ça. Puis, hey, j'ai pris aussi là, pas mal de temps. Si vous voulez aller voir aussi, là, je pense c'est peut-être lundi, dans le fond, là, que. Je pense que j'avais rien fait. Ben, en tout cas, j'ai passé la soirée. Le no joke, je pensais que ça allait prendre 1 heure ou 2. T'sais. Ça a pris 3, 4, peut-être même plus. En tout cas, 4 heures, 5 heures, je sais pas. Là, j'ai monté dans le fond des playlists, ok, que je vais vous linker ici à la fin du vidéo. Là. Dans le fond, le Civic Turbo, ok. Tout ce qui s'est passé sur le Civic Turbo, là, toutes les vidéos avec le Civic Turbo, j'ai fait une playlist EK Turbo. Toutes les vidéos avec Shrek, j'ai fait une playlist EG Shrek. Tout, en tout cas, c'est ça. Fait que là, il manque le Civic Rouge à faire. Puis, j'ai fait, dans le fond, toutes les présentations. Tu sais, mettons, ben, c'est ça. Toutes les présentations que j'ai faites, je les ai mis dans une playlist. Puis, comme Payot, j'avais présenté son char. Après ça, il avait pogné un accident. J'ai réparé son char. J'ai fait une vidéo de finition. Fait que, tu sais, j'ai tout mis ça dans la vidéo de présentation parce que c'est pas mes projets, mettons. Fait que, c'est ça, en fait, moi, je n'écoute jamais mes vidéos. Jamais, 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 jamais. Parce que, premièrement, je l'ai vécu. Deuxièmement, je l'ai édité. Troisièmement, j'ai re-regardé après avoir édité, être sûr que je ne m'étais pas planté. Fait que, tu sais, je l'ai vécu, regardé, re-regardé. Fait que, tu sais, souvent, je ne les regarde pas. En fait, je dis souvent, mais jamais. Je les regarde jamais. Wow. Puis, ben, c'est ça. Puis là, je me disais, il faudrait que je re-regarde mes vidéos. Mais partir de 1 à 300, c'est démotivant. T'sais. Fait que, je me suis dit, si je me montre des playlists, je pourrais me dire, OK. Je me tape tout ce qui s'est passé avec le Civic Turbo, qui est d'ailleurs la plus grosse playlist parce que c'est mon char. Mettons que c'est le caractère principal de mon channel, comme dirait un certain chumé. J'ai le goût de re-regarder mes vidéos, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Une soirée, j'édite. Une soirée, je monte. Qu'est-ce que je dis là? Une soirée, je fais de la mécanique. Une soirée, je fais de l'éditage. Puis le lendemain, la vidéo va sortir. T'sais. Fait qu'en 2 journées, je fais une vidéo. Fois, mettons, 6 jours, ça fait juste 3 vidéos. T'sais, j'aimerais ça avoir plus que 3 vidéos, mais c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible où je travaille. Je travaille ici. Fait que c'est ça qui est ça. Bref, tout ça pour dire, si vous intriguez, t'sais, peu importe. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai des systèmes de vidéos, là, t'sais, de vidéos 1, 2, 3, 4, 5. Parce que moi, j'ai déjà été sur des channels YouTube que je me dis, ah, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé le lendemain. Là, faut que tu t'es sur le channel, tu descends 2 ans plus bas, puis c'est chiant. Dans le fond, mes playlists pour vous faciliter la vie aussi. Tu sais, quelqu'un qui se dit, ah, waouh, mettons qu'il voit mon Civic Turbo, qui existe d'ailleurs plus, mais tu sais, qui voit ça, puis fait comment, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, je veux tout savoir, tu sais. Moi, en tout cas, je regarde un gars avec un 240, puis je veux tout savoir sur son char, puis il y a pas cette playlist-là, puis là, faut que je regarde toutes les vidéos, ok, hein, y a-tu ça, ah, il parle sur 240, ou il parle d'autres choses, ou en tout cas, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai fait ça pour vous simplifier la vie. Si jamais ça
Oh, pour vrai, je pense que s'il y a une personne, man, à qui ça peut aider, c'est worth it. C'est worth it d'avoir passé 5 heures là-dessus. Bref, je suis désolé pour mon Civic rouge. Là, je sais que ça fait comme 8 vidéos que je fais à propos de mon Civic rouge. Mais c'est parce que, dans le fond, le Civic Turbo, c'est pas la priorité. Je vais faire le Silvio avant, au cas où, ce que, peu importe. Je pense que je voulais peut-être déjà expliquer, sinon je vais expliquer ça plus tard parce que mon vidéo commence à être long. Fait que là, c'est ça. Le Civic Turbo, c'est pas la priorité. Ma priorité, c'est le Silvio. Le Silvio, faut que je le soude puis je fasse plein d'affaires. Je suis pas prêt, j'ai pas la plaque, je suis pas préparé. J'ai commandé des cossins que je vais avoir dans genre 2 semaines. Fait que c'est ça qui est ça en fait. Là. Fait qu'en attendant, j'essaie de m'occuper avec d'autres choses. Fait que, mais tu sais, quelque chose de pas trop gros. Fait que, c'est ça, je me tape sur le Civic rouge. Fait qu'en tout cas, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!